Et nous retrouvons pour ce 5e anniversaire Indochine, enfin la moitié du groupe. Alors, ça va les jeunes? Oui. Ça faisait longtemps qu'on ne voyait plus. Et cet album qu'on attend dès, je crois, le 20 novembre, il est annoncé au départ le 20 novembre, d'après mes sources. Il sort le 16 janvier. Ah ouais, pourquoi tant de retard? Eh ben parce qu'on est sorti de studio le 10 octobre. Et que, je veux dire, pour faire une pochette, il faut trouver un peu le temps. Ça, ouais, ça, pourquoi vous êtes plus aussi photogénique qu'avant? C'est beaucoup plus de boulot pour faire les pochettes. C'est que ça use, hein, le rock'n'roll, on dirait pas, mais... Il paraît, ouais. Regarde le présentateur du top, par exemple. Indochine, vous vous sentez à l'étroit chez nous? Bon, 7000 danses a été mixé ou à Montserrat, je crois. Vous êtes parti en tournée au Pérou, Canada, en Belgique, c'est pas trop loin. Votre disque, vous l'avez fait à Compaispont, mixé là-bas? Ouais, mais on l'a enregistré à Paris, mais on va où on nous demande, quoi, en fait. Vu-tu, voilà. Ouais, donc on l'a enregistré à Paris, on l'a mixé à Compasspoint, ouais. Ouais. Mais... Les méthodes de boulot ont changé au sein du groupe? Comment? Les méthodes de travail, est-ce qu'elles ont changé? Si vous travaillez, bien sûr. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on travaille un peu plus, oui. Oui, c'est-à-dire. Non, en fait, ouais, enfin, ça a changé, je sais pas trop, enfin, ça a changé. Ça fait 6 mois qu'on écrivait l'album, donc je sais pas, je peux pas te dire. Tu pourrais laisser parler ton frère un peu, non? Non, mais je parle très bien, vas-y. Dis-nous tout, tous les secrets d'Indochine. Est-ce que pendant tout ce laps de temps, il y a eu des projets d'albums solo, non? Pas vraiment, non? Pas vraiment, non. Non, mais c'est une question que tout le monde s'est posée. Si il y avait des albums solo, il serait sorti. Ouais, peut-être, c'est pas sûr. Ouais. Comment va s'appeler l'album qui sortira donc au mois de janvier d'Indochine et qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience? Il sort le 16 janvier, pour l'instant il n'y a pas encore de titre. Et puis vous n'avez pas des idées? Si, énormément d'idées, ouais, comme toi. Jusqu'à lundi pour trouver. Jusqu'à quand? Mardi? Lundi, et après c'est fini, quoi, la pochette est pressée et tout. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de tous les courants musicaux, genre New Wave, New Beat, House Music, Techno... On a décroché depuis longtemps là. Ouais, bon, alors un truc qui se fait beaucoup, c'est d'échantillonner. Vous savez ce que c'est un échantillonneur? Vous savez, échantillonner la voix des gens qui passent à la téloche, par exemple, et de mettre poum tchak derrière. Et ça cartonne, ça marche, ça coûte pas cher en plus. Ça progresse cette semaine de 14 places, c'est une des plus belles progressions du top. Classé 33ème, les Best Land Boys, avec On se calme, vous allez reconnaître quelqu'un de très simple de la télévision.